Avec nous, ici en plateau d'Amirador, Monsieur Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC. Bonjour à vous, Monsieur Diallo. Bonjour à Bakar et bonjour à tous tes collègues. Bienvenue. Merci beaucoup. Difficile de vous demander dans quel état d'esprit vous vous trouvez ce matin, au lendemain de ces arrestations musclées, brutales, et honteuses et déshonorantes. Je ne peux pas trouver de mots pour ajouter à la description que tu viens de faire. Donc, je suis humain, je suis au même titre choqué que tous les Guinéens aujourd'hui et toute l'opinion internationale face à cette barbarie, à cette action honteuse de la justice guinéenne commanditée au plus haut sommet de l'État. Commanditée au plus haut sommet de l'État. Au plus haut sommet de l'État, bien sûr. Vous pesez bien vos mots. Bien entendu, je vais revenir là-dessus tout à l'heure parce que ces actions sont la conséquence d'une stratégie qui a été bien planifiée au plus haut sommet de l'État. Donc c'est pourquoi nous indexions directement le CNRD. Charles Lep n'est qu'un exécutant, c'est quelqu'un qui a été juste commis à la tâche pour pouvoir faire le sale boulot. Donc hier, vous avez vu le sale boulot, tout le monde est témoin. Donc je suis vraiment désolé que notre pays se retrouve dans cette situation après le 5 septembre. Et après avoir écouté ces discours important, plein de sens du colonel Mamadi Doumbouya qui rappelait les vertus de la loi, qui rappelait les vertus de l'état de droit, qui rappelait les vertus de la justice. Mais aujourd'hui, son discours là contraste directement avec les actes qui sont posés aujourd'hui. La preuve est que hier, les événements d'hier, si vous me demandez de décrire, justement, c'est la question que je m'apprêtais de vous poser. Alors, comment ça s'est passé? Revenez sur les circonstances de ces arrestations. Vous étiez au siège? Effectivement. D'abord, je suis passé sur votre antenne hier, à la suite de Charles Wright, pour démentir ce monsieur qui a dit que Fonke Mangue n'est pas en Guinée, pour dire qu'il a fui, etc. et autres. Donc j'ai noté dans cette émission aussi, je dis que Fonke Mangue est chez lui et tous les leaders du FNDC sont chez eux, personne ne va quitter chez lui. Donc ensuite je vous ai dit qu'on a une communication à faire, on devrait se prononcer sur la situation sociopolitique en lien avec les conclusions de la CEDEAO, mais aussi sur le complot préparé au plus haut sommet de l'État pour pouvoir liquider les membres du FNDC. Tenu en réponse au procureur. Non, ça n'a pas été tenu en réponse au procureur, pas du tout. On prévoyait déjà de tenir une conférence de presse parce qu'on avait des informations par rapport à un complot qui était en cours pour liquider les leaders du FNDC, mais aussi pour on devait se prononcer sur les conclusions de la rencontre de la CEDEAO. Donc du coup, on a convoqué une conférence de presse publique. On a dit on se retrouve à notre siège. Quand on est arrivé à notre siège, nous avons reçu un appel, n'est-ce pas, d'un informateur au plus haut niveau qui nous a notifié qu'il y a la DPJ a été instruite, que Charles a été instruit d'abord et lui également il a instruit la DPJ de pouvoir procéder à l'arrestation de ses leaders du FNDC et au siège même du FNDC. Vous dites bien que Charles a été instruit. Ah, il a instruit. A été instruit d'abord. Bien entendu. Avant que lui n'instruise. C'est le représentant de l'État, c'est un procureur. Bien. Donc du coup, ensuite, quand nous avons été informés, on s'est retrouvés en réunion séance tenante. Les journalistes étaient là, mais on s'est retrouvés dans un bureau en réunion séance. On dit, bon, c'est très bien. Maintenant, ils vont venir avec une convocation. Bien, on va tout simplement accompagner pour aller répondre à la convocation, accompagner les amis. C'est très simple. Ouais. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on est resté en conférence de presse. Ils ont débarqué. Quand ils ont débarqué, ils ont pénétré, n'est-ce pas, le siège. Ils sont rentrés jusqu'au premier parce qu'on était au premier. On n'était pas au rez-de-chaussée. On était au premier avec les journalistes. Quand ils sont venus, ils ont dit que les leaders sont en état d'arrestation. On a dit où sont les mandats ou les convocations. Dans un premier temps, ils ont obtempéré. Je vous dis, ils ont obtempéré, ils ont compris, ils ont accepté. Et ils sont redescendus. Pour nous, ils partent pour se mettre en règle, pour aller revenir chercher les convocations ou des mandats pour revenir. Donc, on a continué paisiblement notre conférence de presse. Mais à notre étonnement, on a appris que le chef des opérations a appelé Charles Wright, que Charles Wright lui a dit qu'ils n'ont pas besoin de convocation ni de mandat de procéder à l'arrestation de ses leaders par tous les moyens possibles. Il s'est passé combien de temps entre le moment où les policiers quittent et le moment où ils reviennent? Quelque chose de 5 à 6 minutes. Le temps pour le chef des opérations de se référer, n'est-ce pas, à Charles Wright.
Donc, et quand ils sont montés, on a redemandé. Du chef des opérations, il s'agit de ce commandant. De ce commandant-là qui a demandé à tirer sur les leaders du FNDC. D'accord. Donc, quand ils sont revenus, ils ont. Et encore une fois, on a demandé où sont les convocations ou le mandat. Ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de convocations et de mandats. Ils ont reçu ces instructions-là claires. Donc, ils vont arrêter ces leaders. C'est comme ça, ils ont trimballé, n'est-ce pas, Gianni Alpha et Mamadou Biloba. Fonike Mangue, les images que vous avez vues, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Ouais. Mais une scène qui a choqué tout le monde, pas que le FNDC, mais les journalistes qui étaient là. Quand il trimballait Fonike Mangue pour le mettre dans le pick-up, il y a le chef de l'opération qui a demandé clairement à un agent en armes de tirer sur les leaders du FNDC. Ouais, ouais. Les journalistes qui ont crié, c'est les journalistes qui ont crié. Quand les journalistes qui ont crié, parce que le gars avait actionné l'arme. Ouais. Les journalistes ont crié, ils peuvent vous reporter. Oui, on a les images. On a les images. Témoigner. Bien sûr. Automatiquement, le gars a paniqué. C'est comme ça qu'il a laissé et puis ils sont partis. Ouais. Donc ça prouve à suffisance que cette situation aujourd'hui est une situation honteuse. Pourquoi je rappelle que les instructions sont venues au plus haut niveau de l'État. Nous avons reçu des informations qu'il y a une réunion qui a été tenue. À cette réunion, il y avait... Quand et où ? Parce que cette réunion avait été tenue aux alentours du Palais des Nations. Hier, avant-hier, cette réunion, non, pas avant-hier, il y a 4 jours de cela. Qu'à cette réunion, seul, parmi les figures connues de CNRD, que seul le colonel Doumbouya n'était pas dans la réunion, y compris présent. Le colonel Sadiba, ouais. n'était pas dans la réunion. Maintenant que les autres ont décidé... à ce qu'ils profitent de la situation, de l'indignation d'une partie de l'opinion sur les propos de Gianni, et utiliser ça pour pouvoir faire taire définitivement les leaders du FNDC. Et qu'il fallait mettre en branle, n'est-ce pas, la machine judiciaire pour que Charles prépare l'opinion et qu'ils engagent, ils s'engouffrent dedans pour aller arrêter les leaders du FNDC. Ouais. Donc on avait cette information déjà. Et je vous ai révélé hier aussi, quand Charles partait à Kindia, il est passé, n'est-ce pas, à Tanene. Il s'est confié au leader de la Bascotte. Et là, c'est renoncement. Voilà, pour dire que Fonike lui a attaqué et qu'il va régler le compte de Fonike. Donc, c'est dit, tout simplement, on est ici devant une situation où. Qui était planifiée. Qui était planifiée, où ce n'est même pas les propos tenus par Gianni ou bien publication de Fonike Mangue qui pose problème. Non, il y avait une volonté. Parce que. Donc, la junte a voulu profiter de cette mais situation. Mais bien sûr, la partie toxique. Pour décapiter la partie toxique de la junte n'a pas aimé le fait que la pression puisse changer de camp. Et que la junte est obligée de se plier aux desiderata de la CEDEAO et de l'opinion publique pour revenir sur son intention de s'éterniser au pouvoir. Ouais. Donc, il trouve le FNDC comme étant un obstacle, n'est-ce pas, au plan déjà établi pour se maintenir au pouvoir. Donc, puisqu'ils doivent faire un recul, ils ont accepté le médiateur, entre autres. Ouais. Donc, ils ont accepté le dialogue et donc le FNDC va payer les prix. Bien. Ibrahim Diallo, responsable des opérations du FNDC, en notre compagnie. Je voudrais revenir sur la situation de mes amis. Parce qu'ils ont été trimballés, tout ça. Allez-y. Si vous voyez, il y a Mamadou Biloba. Il y a Biloba qui a une dent cassée et la lèvre supérieure fendue. Il y a Gianni Alpha qui lui se plaint de douleurs abdominales. Il y a Fonike Mangue également qui a des blessures au dos et qui se plaint au niveau du cou, de la poitrine. Et il se plaint également de douleurs abdominales. Donc voilà la situation des amis. Et hier, les avocats ont demandé, n'est-ce pas, à la DPJ de laisser nos amis se faire soigner par les médecins. Mais ils ont catégoriquement refusé. Voilà. Alors, il y a un détail que les auditeurs ignorent certainement. D'abord, on voit qu'on arrête Gianni Alpha et Bilo qui se défend. Où était Fonike Mangue en ce moment ? D'aucuns disent qu'il s'est caché dans une salle, il ne voulait pas sortir. Que s'est-il passé ? Non, pas du tout. Fonike Mangue était assis au même niveau. En fait, ils ont pris Bilo. Ils ont envoyé Bilo avec une violence inouïe. Après, Gianni Alpha, Fonike Mangue était assis là. J'étais assis à côté de Fonike Mangue. Au président. Parce que pour nous, rien ne pouvait empêcher la tenue de la conférence de presse. Ouais. Donc, du coup, quand ils sont venus prendre Fonike Mangue pour l'envoyer... aussi le trimballer comme ça, vous avez suivi après, on a appelé les journalistes, ils sont venus, j'ai continué à tenir la conférence de presse pour évoquer les sujets qu'on avait à jour. Voilà. Donc le divorce aujourd'hui, il est consommé entre vous et le procureur général.
Non, ce n'est pas et même le CNRD. Ce n'est pas le procureur. Le procureur général n'est qu'un pion qui est manipulé contre pour s'attaquer aux voix discordantes du CNRD. Du CNRD. Donc il ne faut pas voir que le procureur... Voyez ce qui est derrière, n'est-ce pas, c'est cet agissement du procureur. Mais quand vous indexez la partie toxique, vous faites référence à qui? Parce que dans tous vos discours, vous épargnez le colonel Mamadi Doumbouya de toutes les critiques pour l'instant. Vous venez de parler du colonel Sadiba. Cette situation... On sait très bien que les rapports n'ont pas été assez bons entre vous et le colonel Sadiba. Mais à qui vous faites référence désormais et comme faisant partie de cette partie toxique autour du colonel? Nous avons saisi nos avocats à l'international avec des éléments précis. Et ils sont en train de travailler pour pouvoir saisir des institutions internationales. Et ne soyez pas pressés, vous saurez les noms. Bien. La suite, oui, Mamadouri. Bon, je voulais juste savoir, parce que vous l'avez dit, mais c'est important de le répéter. Vous avez dit que certains de vos amis, en tout cas ceux qui étaient visés par l'action de Charles Wright, étaient prédisposés à recevoir les convocations et partir simplement et tranquillement répondre. Bien sûr. Ils étaient prédisposés à faire cela. Bien sûr. Mais, parce que certains parlent de délit d'obtempérer, si vous avez résisté, c'est parce qu'il n'y a pas eu de plainte. Il n'y a jamais d'abord eu d'un acte posé par le procureur contre un leader du FNDC. Vous avez rappelé le cas de Gianni Alpha, mais qui a entendu qu'il y a une convocation qui a été émise contre Gianni Alpha? Il n'y a pas eu. Qui a vu une plainte contre Gianni Alpha? Il n'y a pas eu. Je vous ai écouté ce matin où vous avez fait un retour sur les propos tenus par Charles Wright pour lui mettre face à ses contradictions. Donc voilà, il n'a jamais. Fonike Menge aussi, je vous dis, c'est avant-hier quand il a tenu ses propos là à Tanane et Charles Wright que directement on a compris, voilà, le plan qui avait été concocté, voilà le plan qui la mise en œuvre qui se décide. Donc tout le monde était prédisposé à rentrer. Hier j'ai dit sur cette antenne, j'ai dit Fonike est chez lui. Bien, Ibrahim Diallo chez nous, responsable des opérations en notre compagnie ici en plateau.